Moi, je bats un gros bravo pour PNH. Après beaucoup de temps, il fait dans l'arrestation Félix Badio. C'est un gros pas qui a aidé l'enquête sous le mort président Jovenel Moïse l'a progressé. Moi, je dis tout compliment pour la police là qui stoppait plusieurs bandits dans une zone pas de paix. Plus précisément, dans Ansafoleur. Nous avons commencé à râler un souffle à Zach Manounet qui était fait dans le bois d'homme. Moi toujours dit place bandit, c'est dans la prison ou dans le cimetière. Moi encouragé PNH là, multiplier les efforts pour améliorer la situation sécuritaire. Je demande à police là pour continuer les folies. Pour améliorer la sécurité PIA, en attendant, mission multinationale soutien à la sécurité à Vinbanou, un gros coup de main. Dans le cadre de tournée que nous sommes faits, tout d'abord, il faut me dire que la délégation Haïti a participé dans deux sommets dans deux pays différents. L'un était fait au Canada et l'autre là au Mexique. Dans la délégation, il y a eu un match. Au Canada, c'est M. Laurent Saint-Cyr qui est avec nous et Pasteur Calix Fleuridor qui est avec nous au Mexique. Je profite pour me remercier M. HCTO pour le gros travail qu'il a fait pour le pays. Je félicite le président de HCTA, Mme Mirlande Mariniga, qui défait un brillant exposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies hier, côté il était bien exposé situation pays. HCTA a travaillé à tête coulée à gouvernement, à examen international pour aider pays à retourner sous bon rail. On parlait de voyage au Canada. Pour commencer, nous sommes allés à Ottawa, dans le pays Canada, pour le premier sommet CARICOM avec le pays Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau a organisé le sommet ça où il a discuté plusieurs sujets avec tout le pays membre. C'est lui-même, avec le Premier ministre Roosevelt Skerrit, qui est le président CARICOM. RICOM pour semestre ça qui était dirigé sommet. Plusieurs sujets importants pour Canada avec pays membres CARICOM ont été discutés. Nous avons parlé de l'environnement avec impact changement climatique. Puis bon accès à financement dans les bailleurs de fonds. Nous avons parlé tout sous affaire investissement avec qui Jean pour faciliter le commerce dans le pays Nimi-Mouyo. Gomosoa, c'est des affaires de sécurité nationale, sécurité régionale. Mais tout, nous dépassons un pile temps à parler sous crise n'a fait face ici en Haïti. Tout pays a été parlé et plusieurs ont renouvelé l'engagement pour participer à la mission qui a venu, qui est Kenya à diriger. Je t'ai invité spécialement l'ancien Premier ministre Bruce Golding, qui est une dans trois personnes dans le groupe éminente personne qui travaille pour aider à joindre une entente large en large dans le temps tout haïtien. Je t'ai invité tout. Madame Maria Isabel Salvador, représentante BINU, qui a fait un rallye sous nécessité pour tout pays pour te coller avec Haïti et avec mission multinationale de support à sécurité, qui vient pour très bientôt Vinbay PNH Jarrette et pour élection qu'a faite rapidement.
Participants souhaitaient que acteurs haïtiens mettaient divergences sous côté pour gagner une tête ensemble pour nous caler dans l'élection. Délégation a fait deux bilatérales à Canada, une avec ministre Affaires étrangères Mélanie Joly et une autre avec Premier ministre Justin Trudeau. Canada prend quelques engagements pour continuer à soutenir PNH dans divers domaines. Sorti Canada, nous sommes allés à Palenque, dans l'État Chiapas, dans le pays Mexique, côté président Andrés Manuel López Obrador, tu as invité plusieurs pays, Amérique du Sud, Amérique centrale et Haïti. Vous avez venu discuter sous affaire monde qui a quitté pays et traversé en pile l'autre pays pour tenter d'arriver aux États-Unis. Dans l'intervention par moi, au nom de délégation haïtienne, je vais insister sur ça qui la cause monde a quitté Caillou et prend en pile risque pour aller chercher l'autre côté dans la vie meilleure pour eux-mêmes et pour la famille. Dans l'histoire de l'humanité, la population toujours prend la fuite devant la misère, l'angoût, la guerre et l'insécurité. Tout le temps, nous ne cherchons pas à résoudre les problèmes, nous toujours des migrants, pas pile et pas paquet. Solution problème là, c'est investir en pile dans le développement pays qui pile pour vieux. Communauté internationale là, toujours joindre en pile l'argent pour financer la guerre. Faut qu'on ta joindre plus l'argent toujours pour nous faire la guerre contre la misère. Dans la conversation que m'te gagné avec le président Maduro, il dit que pays Venezuela et plusieurs autres pays dans l'Amérique latine songeait gros bourrade Haïti te bayou et yo pas oublié ça. Il dit la situation Venezuela a normalisé ou ka retourner pour nous nous un coup de main dans la coopération Jean-Luc Confel avant. Et il y a ajouté pays Amérique latino par la guerre Haïti. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs autres chefs d'État dans la région et moi j'ai eu une bonne explication avec le président colombien Gustavo Petro qui promet moi pour venir en Haïti. Moi j'ai eu bon parler tout avec le président Mexique là. Andrés Manuel López Obrador avec ministre Défense Mexique. Il prend engagement pour renforcer la coopération entre Mexique et Haïti et puis pour financer projets dans carburant, gaz naturel, électricité, énergie renouvelable et dans l'agriculture. Il dit que le dossier Haïti a c'est directement dans la présidence là, ça a géré. Je vais profiter et remercier dans le nom du peuple haïtien pour la formation Mexique by la police acclamée dans la bataille qui a mené contre gang et insécurité. Nous avons dit ministre concerné instruction pour qu'il y ait un bon joint suivi qui fait pour concrétiser le projet SAIO. Nous avons une grosse crise entre Haïti et la République dominicaine. Crise ça, pour moi, n'est pas qu'à durer éternellement. Il faut nous joindre une solution à la crise ça. Nous, tous les deux peuples, nous vivons dans la même île et nous obligés à vivre ensemble. Il faut nous joindre qui meilleure façon pour nous joindre pour vivre ensemble. Il y a un pile parler qu'a fait dans le couloir et nous ne pouvons pas parler tout là. Il y a un pile qui doit être fait.
dans l'échange commercial que nous avons avec la République dominicaine, mais aussi avec l'autre pays. Comme toujours, il y a des problèmes dans les pays, il y a des problèmes politiques, mais nous avons assurance que Kenya a résolu des problèmes politiques la caille. Ça, je ne vais pas rentrer dans le problème politique la caille Kenya, mais pour le président Kenya, bah, nous assurons que Kenya a venu en Haïti comme leader force, pardon, mission multinationale de sécurité. L'autre question que tu posée, hein, c'est au sujet de l'autre pays. Ça, nous découvrons tout, c'est que de plus en plus, on a parlé avec l'autre pays. Il y a l'autre pays qui a ajouté à l'IS de pays qui a rentré dans la force multinationale. Dans la mission multinationale, excusez-moi. C'est pas une liste qui fait main. On a dit que pendant le voyage noir, nous rencontrions des nouveaux mondes qui disent que pour aller participer. Mais il faut qu'on coordination de l'ensemble. Il faut qu'on certain nombre de travail qui fait ici en Haïti. Que faut nous-mêmes au niveau gouvernement, au niveau de la police, qu'on certain nombre de mesures faut qu'on prenne. Et donc, ça prend un petit peu de temps, mais la mission multinationale de sécurité a vini. Ça, c'est Sam Gabano Assurance. Merci. Accord 21 décembre, tu as dit que nous avons fait accord ça, et l'objectif pour nous, c'est que nous avons gagné le 7 février, un président et un gouvernement, un parlement élu. Ça nous a constaté, c'est que nous avons eu temps. Parce que juste après la croix, ça a tout, il était dit que nous avons chita parlé pour nous être capables de faire un élargissement du monde de l'accord 21 décembre. Il était dit en dans la croix. Il était dit que nous n'avons pas fait une table ronde. Et nous voyons que jusqu'à présent, chita parlé ça, il a à se manifester. Et merci parce que vous posez question. Parce que je l'ai dit, tout acteur haïtien, temps difficile, il est urgent pour nous mettre ensemble, pour nous dépasser divergences, nous, pour nous transcender, nous, pour que le pays ait retrouvé rail. Il y a une grande crise qui a venu devant nous. En presser, en suspendre, faire des chicaneries, mais en mettre ensemble pour que rapidement nous faire des élections en Haïti. Il y a un travail que les États-Unis voulaient faire, ils voulaient capaciter pays autour pour que l'enquête n'est pas bloquée par des raisons de compétence ou des raisons de pour des mécanismes judiciaires, enfin procédurales. Et c'est un bagaille fait pour que l'enquête qui est capable de faire en Haïti, il est capable de gagner un lien. Il est capable de gagner un suivi qui fait aux États-Unis sans que, au point de vue procédure, pas une cassure. Ça nous remarqué, c'est que de plus en plus, il y a des crimes transnationaux qui ont fait. Il faut que les États adaptent à la nouvelle situation. Ça. La justice internationale, ou du moins le Conseil de sécurité, décide de prendre des sanctions contre des mouns. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, ou pas qu'arrêter les bras croisés. Et qu'on réflexion qu'a fait au niveau de gouvernement, mais aussi avec des soutiens internationaux pour nous qui gens nous pourra organiser nous face à une nouvelle situation ça. Parce que Haïti pas qu'un pays paria tout. Et pays paria ça veut dire son pays qui en dehors des Nations Unies, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité. La justice internationale, ou du moins le Conseil de sécurité, décide de prendre des sanctions contre des mouns. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Et qu'on réflexion qu'a fait au niveau de gouvernement, mais aussi avec des soutiens internationaux, pour nous qui gens nous pourra organiser nous face à une nouvelle situation. Ça. Parce que Haïti n'est pas qu'un pays paria tout. Et pays paria, ça veut dire son pays qui, en dehors des Nations Unies, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité. Ouais.
est avant Cavendish et vers ouest avant le secteur en Grignon. Vivez l'expérience de l'événement 10 jours de Lexus et du... Nous sommes adaptés à un chroniqueur routier. Un chroniqueur routier, c'est un gars qui a des informations et sous toute route de Montréal, que ce soit au niveau autoroute, que ce soit au niveau des routes secondaires. Nous sommes bas information, c'est ça que l'on chroniqueur routier. Par rapport à un paquet de bluffer en Haïti, qui a rincé notre tête pour toute la cette journée, un paquet de nègres qui a conservé information pour drug dealer ou voler, qui a fait être passé pour journaliste. Bah, on a eu nos sérieux. Bon, regardez, nous-mêmes dans BBJ, et nous pas faire X, nous pas faire Y. Oui, mais vient des petits détracteurs qui a brancé. Et petits détracteurs qui a brancé, et sous dossier TLT, Luz, bagay sniper là, dit nèg ça yo, al chercher côté mourir. Et nèg yo pas gè dossier dans main yo pour attaquer TLT, Luz, il a chercher petit détail pour yo venir montrer TLT, Luz pas crédible. Et pas vrai. Nous connait qui bataille TLT, Luz mené déjà. Nous connons qui s'intéresse à Telus fait déjà. Ça veut dire, si on paquet nègre, l'intérieur de Telus a frappé, puis elle soukouyo, et puis il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage pour dire nègre, la mettre pied soukouyo. Vous n'avez pas cherché de détails, vous n'avez pas campé sous un rien, et avec elle, il n'y a pas de paraître sous Telus. Telus. Bon, Telus, Telus, moi, je John Collins, son seul équipe. Bon, même si Telus, Telus, tu fais une erreur, moi, je répare erreur. Et même, je tombe quand je fais une erreur, après ça, Telus, Telus, répare erreur là. Son équipe. Je ne bah, comprends pas nos équipes gagnées. Quel que soit agent saillé, et puis pour ça, il y a des détracteurs eux-mêmes, à faire bruit, faire macaque. Bon. Et on dirait que moi-même, j'ai un avantage. J'ai toute preuve. Par exemple, depuis que je parle, j'ai une preuve là. Que ce soit un nègre qui a fait bruit, pas un nègre qui a fait rien du tout, du tout. Tout nègre qui a fait bruit, ça n'a pas de chape fait. Bruit, ça n'a pas de chape fait. Haïtiens sont. Haïtiens sont peuple qui aime consommer bourreau et puis aime consommer soufflature. Si matériel était le spat là, système n'a toujours été vivant. Journaliste t'a toujours été ça avant nous drug dealer, avant nous voler, avant nous corrompu. M'a pas dit pour tout journaliste parce qu'il y a des journalistes qui plus ou moins dans le pays. Tant que docteur qu'on vous dit et pas nèg qui cracher sous œuvre madame Liliane Pierre-Paul. Et tant d'autres l'autre qui est Bellinio dans le pays. Mais dans le pays, où gagne Valérie Numa comme journaliste qui a protégé les grands bandits à Ves, les grands bandits tant que Karl Brown, tant que Sheriff Abdallah, il a parlé pour eux, il a géré pour eux. Un journaliste comme ça, il n'a pas qu'à utiliser le système dans rien. Il a toujours été le journaliste senior sous base de faire millions à vagabond salsa en l'air. Des nègres tant que guerrier Henri Louko Désir, n'a toujours été les journalistes, nèg sa yo même yo là yo bat, yo travaille ni pour gang Avès ni pour gang Piaté, yo travaille pour yo les tigeants, les Louko Désir, les guerriers Henri, nèg sa yo et job soufflant tu au fait. Tant que le président gen problème, li besoin moun ki pou vinn passer mai, vinn prend pas, vinn comme si vinn faire distraction pour yo, diversion pour yo, yo utiliser nèg sa yo. Mais nèg sa yo pas crédible, peuple la connaît, yo pas crédible. Est-ce que vous comprenez? On est de côté Yel Telus et pas nèg ou pral voye l'argent bay pour le parler pour vous. Et m'a quoi te Yel rive dans niveau ça. Ça veut dire pour la vienne faire diversion tout le monde ouais Jean bagay la passer et puis pour la vienne imaginer une stratégie pour la vienne expliquer peuple bagay devant derrière même j'ti voler votre pression. Et ça fait Oraim parce que moi m'm pas journaliste, m'm vini m'mettre au plateforme sous pied, m'mettre yo à genoux et me fait peuple ouais qui est-ce qui est. Et peuple là te ka ouais qui est-ce qui pas qui est oui si que le Canada va arriver, sanctionner voler ça, on t'a dénoncé depuis 200 ans. Malheureusement, vous série de journalistes qui pas consacrer les dénonciations. M'a regardé un petit bluffeur en France qui dit c'est journaliste, il dit que c'est lui qui t'a dénoncé sniper. Qui ça l'entend pas dénonciation? Qui ça l'entend pas dénonciation? Là où était ou dit on monde dit c'est policier ou dit pas policier, ça pas les dénonciations. Est-ce que vous comprenez? Ça paraît les dénonciations.
dénonciation, c'est leur vie. Et leur vie avec preuve. Et leur vie avec argument. Et pas n'importe quelle preuve. Des preuves irréfutables. Des preuves claires. Des preuves tangibles. C'est ça qui crée les dénonciations. C'est leur vie avec ça qui est dénoncé. Leur retour est à la bouche. Dit, ah, mais c'est pas police, c'est vrai. Ou que doit imaginer, on ne peut pas police qui sont faits. Quel travail d'enquête tout est fait? Est-ce qu'on t'a allé pour t'aller pour t'aller chercher photo vagabond? Est-ce qu'on t'a allé pour t'aller chercher faire historicité? J'ai été le seul à faire historicité de sniper. Quand elle sorti dans zone bisoton, hein? Qui bon t'a travail dans mairie? Quoi et qui est si t'en sait ton timoun qui peut te 18 ans? Papa timoun n'était pas arrêté. Qui yote la gueule? Non, yote la gueule dans commissariat. Pendant le temps de vie, yo libéré. Parents retrouvé, recroisé monsieur dans la rue, encore fait arrêter, il voit le pénitentiaire. Il passe 3 ans pénitentiaire. Après pénitentiaire, il a gueule Santo Domingo. C'est ça qui crée l'enquête. C'est ça yo qui est l'enquête. Sniper son qui a langage policier, il a technique yo, vraiment. Là la parle de weekend pass, là la parle de après weekend pass, mais il a tel policier et tel nèg avec cognac dans bim ou bien dans BLTS kuna. Qui est-ce qui va prendre là-dedans? Force faux policier qui existe en Haïti. Elle maintenant qu'elle sur on nèg tant que sniper là très difficile. Parce que les nègres qui sont populaires, c'est qu'ils cherchent. Ils cherchent des nègres qui sont en dénonciation. Ils cherchent des nègres qui sont en dénonciation. Ils entrent en bas. Le pire, c'est que M. Guédé, matériel, la police a présenté. M. Guédé, et après, où est la police a passé. On n'est pas capable de faire confiance, non? Et on n'est pas capable de faire confiance. Nous sommes dimanche matin. Je parle avec un ancien responsable de la DCPJ. M. dit oui, sniper, t'es. Et monsieur dit oui sniper t'es détaché avec lui à l'époque elle était dans enquête elle était Haïti mais elle dit mais connexion logique redis encore mais marqueur de relation il dit que mais mon voix me senti voix différent c'est voix par contre c'est parce qu'elle en bas cagoule là mais voix paraît différent qui est-ce qui peut croire non bagaille comme ça. Et puis là, nèg la parle, nèg la de TikTok la parle, il dit à l'époque respect pour Vladimir par raison. Respect pour Vladimir par raison. Li songe le président mouri, là lui même à Vladimir par raison, rive le kay président. Commandant par raison salue ou qu'on salrait elle dit. Nous songe le mouri kay président. Nous elle nous prend madame Martine Moïse pour nous déplacer avec elle. Exactement ça le dit, c'est ça. Par raison, tu es venu vraiment avec le groupe policier Lavelle. C'est lui qui t'a mené Martine Moïse l'hôpital. Et voyez, mené Martine Moïse l'hôpital. L'on a dit parole comme ça. On pensait que vraiment, il était présent. Qui est-ce qui raconte lui? Haïti, son pays difficile lié. Regardez comment vous disant même et prend nos faux docteurs. Faire ramasser l'argent même à l'étranger, faire 100 000 voyer l'argent. Pour faux docteur là, faux médecin, et pour tel pas de jam, il va de jam médecin vrai. Ou dit prend la dent, qui bagaille te yel te lis pour le pas de prendre un faux sniper là. Ça c'est pas une information, moi tout nèg ap fait l'obé avec comme si son détail. Hein? Moi même ça me fait. Moi même m'a joué LB, me dit LB, ou pas qu'à faux bagaille comme ça parce que d'habitude moi me fais parler avec LB tout parfois. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Si nous avons une bataille, il faut aller chercher qu'on est. Les policiers n'ont pas prêté pour la dire parole ça ou comme ça. Allez regarder si ce n'est pas l'autre nègre qui recommande la police qui a simé la troublaille dans l'opération la police pour que l'opération mal passée pour qu'elle prenne place. Il faut aller faire une enquête pour chercher qu'on est. Parce que les policiers ne sont pas fous, ils vont prêter pour la dénoncer le recommandement comme ça. Il faut aller faire une enquête. Chose pour LB. Monsieur Vin dit une parole quand elle dit que l'une tête DH, ils sont gel dans tête DH dans l'opération, elle met crime. Elle dit, ouais, monsieur pas policier parce que monsieur parlait de notre tête DH, m'pagé aucun sniper, ni aucun nèg m'te mette dans tête DH dans l'opération ça. Monsieur c'est menteur lié. Inspecteur général en chef police là, dit même bagaille là. Parce que m'dit, monsieur, m'pavle comme si c'est nèg qui besoin prendre place nous, y'a besoin opération écrasée pour que l'opération passe par gagote. Et puis pour les gens qui mettent nous en difficulté, il faut une enquête pour nous joindre. Est-ce que dans l'opération contre bandits, salvi la de Dieu, est-ce que pas qu'on est comme saboté dans le commandement opération? Même Jacques Alain te fait l'opération contre Iso qui permet de soit mourir. Il faut faire attention.
Et puis c'est de là étant, mesdames, messieurs, je continue à chercher, je continue à faire une enquête, je continue à faire une enquête. Et puis c'est là, nous, mal pris photo sniper. Mal pris photo sniper, parce que les policiers disent, monsieur, vous êtes seul qui travaille dans la direction générale police. Je dis que, on joue, monsieur, elle aime comme ça, pas d'habitude, monsieur, toujours elle aime à cagoule. On le joue, monsieur, elle aime comme ça, brouk, pas de l'après, l'irée, elle aime comme ça, le sac à goule, tout, je prends téléphone, je prends vidéo, je prends photo. Je bap, je vois elle, elle me dit, voyez dans l'enseignement police, pour est-ce que monsieur, non, bagarre là. Yo voyez elle. Après 3 jours, yo dit que pas de policier ça dans l'institution. Mes côtés, mesdames, messieurs, je commence à mener enquête contre voler. Mal joint. Après ça, je commence à publier sur Facebook pour me dire monsieur pas un sniper, vous monsieur son faux policier. Et puis, c'est de là étant, nèg Saint-Domingue commence à écrire, nèg États-Unis commence à écrire, nèg Kafou commence à écrire. Yo dit que pas contre si c'est monsieur, mais mettez la photo à la fois sur lui. Là, je jeune exactement c'est même monde dans la comparaison. À photo, je te prends monsieur pendant que tu parles avec moi. Et puis, je tout fais une shot là, je me photo monsieur, je vois la police ça. Et bien, c'est de là étant, je ne sais pas la police, je ne sais pas. Monsieur Mouté live, il dit ça que fait Morvan dénigré. C'est parce que Morvan te dit tout et photo pour lui, même et photo qui te paye l'école pour lui. Il pas vle bagay. Oh oui, et ça que fait Morvan a dédoublé sous lui. Qui dit le pas policier, c'est parce que il était attaqué Dimitri Vob, ou qu'on est des bonnes attaqué Dimitri Vob, ou attaqué Don Kato, ou attaqué Morvan tout. Nous tout top tandil. Laisse ça. Ti patnè ko frans la ka branse ya. Est-ce que monsieur pas ton problème, il pas ton danger pour sniper? Nèg sa même parler, yo te pepe prend frappe, même parler yo pas ka parler. Et son bon c'est de là et on vient mettre monsieur tout uni et puis m'te bay monsieur garanti. M'dit songe ça m'dou la police va arrêter parce que chef police ça te bon garanti la va arrêter monsieur. C'est ça. Jusqu'à ce que monsieur Moutel dit en institution pour que ça pas gen note qui sorti. Pour dire que le pas policier, c'est Morvan qui vient dire le pas policier. Pour que ça institution n'a pas sorti son note. Laissez-moi, si tu as écrit, elle-même dit faut sortir son note pour dire que vagabond ça va pas mettre personne parler sous la police. Ça. Monsieur pas jamais fait. Par rapport à ce bluffé qui a fait ce qui dit que tu as un policier qui a posé. Qu'elle pose et qu'elle dépose plainte de CPJ parce que monsieur a utilisé la police. Moi, si pas de jambes, ça. Pas de grain plainte qui dépose de CPJ pour sniper. On grain. C'est hier samedi soir, vers minuit, Hugues Bouin, coordinateur police nationale d'Haïti, il dit papa, jambes mandé pour Negou. Il dit qui n'est ça? Il dit sniper. Il dit monsieur, non, mais nous là. Il dit pas vrai, mon cher, blague, bye. Monsieur dit demain matin m'a voyer vidéo bon. Me fait monsieur parler déjà. Monsieur Sermentel dit pas de jambe dans la police dit tout. Et dimanche vraiment m'ai vidéo comme vidéo a te gagne un bagaille chef police te mandé pour changer là-dedans et ça fait me battre la gueule. Lundi matin m'la gueule ba nous. Red Noël. Oui mais bien ce type bloc fait nous qu'a parler qu'a faire pause je sais X ou c'est Y. Oui mais bien ce souffle tu restes avec. Nèg ça c'est travail te yel te li sur besoin diminuer. En faveur corrompu, en faveur volé. Et ça, parce que Teyel Tolis frappé en pile ces derniers temps. Il crase les gens en pile ces derniers temps. Nous, même les gens qui parlent, nous, qui parlent de Matéli. Bon, mesdames, messieurs, dossier sniper, dossier 257. Qui est-ce qui a problème pour le pays? Dossier 257, qui n'a pas de drogue, qui n'a pas d'enlèvement, qui n'a pas tué les gens. On a sorti rapport sur lui. Qui n'a pas de kidnapping, qui n'a pas tué les gens, et puis qui n'a pas de drogue, Michel Matéli, costume bazar. Est-ce que nous, ça intéresse les journalistes pour parler de base 257? Non, ils ne pas parler de lui. Mais on a vu pour un sniper là, pour venir faire passer comme un grand dossier. Ça va dossier. Son bagage m'a déshabillé sniper depuis un mois d'août déjà. Ça va dossier. On prend ça va dossier. Yo prenne un coup dossier. Mais rapport à l'ONU sorti la base 257. Qui plein voler là-dedans? Qui plein drogue dealer là-dedans? Il m'a dit costume ça pour faire deal drogue avec pour faire assassinat. Et puis il y aurait lié à village de Dieu. Est-ce que nous un petit bloc fait qu'on fait ça chita sous lui? Est-ce que nous avons un petit bluffeur qui fait ça chita sous lui? Est-ce que nous avons un petit bluffeur qui n'a pas de Omega, Guerrier, qui travaille pour Christ là? Est-ce que nous avons chita sous lui? Est-ce que nous avons un autre bluffeur qui parle de chita sous lui? Jamais, il n'y a pas chita sous lui. Il y a tout à fait petit bagage pour venir faire un réel télé, passer l'aide comme si son gros dossier, cette question de sniper. Bon petit gros goût, bon petit vicieux. Et pour moi, je vais être en anit là, je vais faire sport, je vais arrêter vraiment. Et puis à 6h, réel télé, je vais le monter. M'oblige à aller. La nouvelle, c'est que chef gang criminel Badjo, monsieur Rive pénitentiaire là après-midi. Et Badjo Rive dans pénitentiaire,
Mes amis, vous avez un petit de l'eau. Badjo arrive dans la pénitentiaire nationale. Et après-midi, il a demandé au juge Walter, qui m'oublie non juge, Voltaire. Pour juge Voltaire prend pile précaution avec Badjo. Et il a demandé pour Badjo être dans le pays. Il n'y a pas de question Badjo pour les États-Unis, Badjo pour les États-Unis. C'est pour prisonniers qui sont en Haïti. Pour les gens qui peuvent manger par les gens, les gens qui peuvent rater par les gens, pour les gens qui est sur eux. Les gens qui méritent pour les gens qui sont sur eux. Les gens. Parce que, il faut que les gens qui peuvent protéger Badjo, qui peuvent manger Bali, qui peuvent prendre soin de la pénitentiaire nationale, il faut que les gens qui sont. Et il faut que les confrontations qui fait entre Badjo avec une série de l'autre prisonnier. Parce que Pierre Espérance dit Badjo a 80 000 dollars. Il faut que le juge Voltaire pose des questions, fait face to face pour voir qui est Badjo a tel monde de Balkov là. Ça est important. Pas de question de courir aux États-Unis. Badjo a été là dans le pays, en temps pénitentiaire. Il faut que Badjo ait été là pour le bret de l'eau, pour le bret de l'eau sale dans le pénitentiaire, même à tout prisonnier. Badjo pas américain. Badjo pas tué américain, qui Jovenel Moïse pas américain. Badjo pas tué américain. Badjo pas participé à l'assassinat américain. Badjo a été monté aux États-Unis. Nèg nous avec monté aux États-Unis, ce sont des nèg. Ce sont des nèg qui ont un passeport américain. Et puis ils ont utilisé faire venir tout Jovenel Moïse. Mais pour qui ça pour on dossier juge ici pour qu'on finisse de. Mais bon, le juge l'a fini de. Le juge l'a fini de Badjo. Net après un an, il voyait Badjo aux États-Unis. Ça, c'est l'autre bagaille. Mais il faut Badjo. Rete dans pénitentiaire pour chaler à frapper Badjo même genre. Et m'se nèg qui pral base koun ya en pénitentiaire pour me connaître. Est-ce que Badjo est frigidaire? Est-ce que Badjo en pénitentiaire? Est-ce que monsieur c'est nèg qui a tout ça le besoin de pénitentiaire nationale pour me voir si son prisonnier à part entière? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Après ça. Nèg kap di John Jean-Lier la gè live là. M'baye frèm nan prison nan ti jeune. C'est John Colin mort. Ou mettre nèg, ou mettre gè de frère ou bien sœur nèg nou ek nan prison koun ya nan vann faux diplôme. C'est enquête John Colin mort vann ki te met FBI sous pied koun ya pou moun sa pige peine nan pénitencier. Moi c'est bel à l'aise malaise moi là. Ou besoin jan malaise. Ça laisse mal à l'aise moi même dans gym. M'ba dans pénitencier. Vous savez de moun wa parler de yo dans pénitencier yo. Moi même ça laisse mal à l'aise petit garçon. M'vin dans gym. M'vin pour plaisir dans gym. M'libre. Vous savez de moun dans pénitencier yo les États-Unis d'Amérique pour vendre faux diplôme. Est-ce que vous comprennent? Pour vous comprennent? John Paul lui-même, il est à l'aise. Belle à l'aise.